Snoop Dogg, je vais essayer de dessiner le rappeur Snoop Dogg. Alors, je regarde comment il fait son visage. Comme toujours, c'est évident, mais la forme du visage fait toute la différence. Souvent, mes dessins les plus ratés que j'ai pu poster, c'est ceux qui n'avaient pas la bonne forme. J'ai posté PLK il y a un ou deux jours et il est un peu allongé. Voilà. Là, je m'amuse à prendre une photo où le visage a un peu penché. Alors, je regarde, il a des yeux assez cernés. Snoop Dogg, ça c'est important. Les paupières un petit peu appuyées aussi. Le nez, c'est toujours ce qu'il y a de plus difficile selon moi, parce qu'il faut vraiment le choper. C'est peut-être pas là où je suis le meilleur d'ailleurs, mais on a tous nos... c'est normal, nos petites difficultés. On regarde bien les sourcils quand ils sont faits. L'idéal, c'est des sourcils très prononcés, très épais. Voilà, des lèvres. Ensuite, j'ai pris une image où il avait une capuche pour faire une petite difficulté supplémentaire et c'était amusant. Comment une capuche, ça tourne autour d'un personnage. Prenez des photos, hein. Regardez comment c'est fait, essayez de recopier. Au cran de papier, vous appuyez pas, vous voyez, comme ça, vous vous dites, bon, c'est en gros, c'est la forme. Après, je vous l'imprime, je vous l'encre un peu plus rapide, voilà, hop. Je leur ferai Snoop Dogg parce qu'il est vraiment sympa, il a plein de coupes de cheveux différentes, mais là, je voulais le faire comme ça. Voilà, Snoop Dogg, rapidos, à ma façon, dans mon style.